Warabana la varinya, oyela marala dote fe. Sabajugu mamba wula jangono, ufena na maraba. Mukela nya wonyama, kujombe nede nyava. Mwaiti nyala nya wonyama, ambena maraba. Kamunke, ndianye munga mundima. Kamundi, ndianye munga mungie. Ndianye mana wara nyadwama, mwayeke la jonle dimfa. Kamunke, wena imaye, idu sudaye nisodia. Kamunke, ndianye munga mundima. Kamundi, ndianye munga mungie. Ndianye mana wara nyadwama, mwayeke la jonle dimfa. Kamunke. Mburisanu dobe nebolo baba mbodima. Ambe woke bolo kanegeye ibodu nebiye. Uwari mugu mimbi bolo la odomo bilidela. Kodi deno mamama kumama nibama kwa ganga mankanka munke. Nedianye munga mundima. Kamundi, ndianye munga mungie. Ndianye mana wara nyadwama, mwayeke la jonle dimfa. Kamunke, waimfa imae, idu sudaye nisodia. Kamunke, ndianye munga mundima. Kamundi, ndianye munga mungie. Ndianye mana wara nyadwama, mwani mfinye kela jonle di. Sefie tu, koneye jonle. Koneye wolo fanyuma la jondi ala. Ne jonle, nele wolo fanyuma la jondi. Walahi nele jonde, nele wolo denin la jondi ala. Koneye jonle, nele furu kenyuma la jondi. Ofene deye nela jondi. Nyuma la jonye niven kovali manyuma wala hiteri manyuma la nyonye ni Nkamunke ndianye munga mundima. Nkamundi ndianye munga mungie. Ndianye mana wara nyadwama mwani mfinye kela jonle di. Bonjour aux 4 Aurées. Bonjour. Ah, vous publiez votre cinquième album. Alors, c'est un album de plusieurs premières. C'est la première fois que le titre d'album est en anglais, Beautiful Africa. C'est la première fois que vous travaillez avec John Parish, cet étonnant musicien, producteur anglais qu'on associe souvent à Pete Jarvey, mais qui ne travaille pas qu'avec elle, qui a un univers un peu unique, assez à part. Comment s'est fait justement cette rencontre avec John Parish? John Parish m'a été présenté par mon manager et j'ai écouté ce qu'il faisait avec PJ Harvey, mais aussi sous son propre nom et sur d'autres groupes. Et c'est vrai que son univers, en termes de son, a ce côté minimaliste et essentiel, mais pas forcément épuré. Un choix de parti pris assez particulier que j'ai bien aimé. Et puis, je me suis dit que ça correspondait à ce que j'avais envie. Comme son par rapport à mon travail et que collaborer avec lui pourrait amener ce que j'imagine. Et puis, ben, heureusement que j'ai été séduite par son travail et qu'il a accepté de travailler avec moi parce que le résultat était encore mieux après que ce que j'imaginais. Ce que j'ai entendu était magnifique et humainement aussi, il est une personne assez exceptionnelle. Donc je suis ravie d'avoir fait sa connaissance et travaillé avec lui. On a l'impression qu'il a amené un côté assez cru dans votre approche du blues, parce que vous avez, enfin on en parlera peut-être après, mais est-ce que votre musique est assez ancrée dans le blues au sens
avec plein de S derrière, on pourrait dire. Je pense notamment à un morceau comme Kuma, à la fin de Kuma, avec vraiment des guitares très, très, très presque violentes, on pourrait presque dire. Comment sont arrivées ces sonorités? Vous avez dit, j'avais envie de choses, vous aviez vraiment, par rapport à votre feuille de route personnelle, des envies d'aller dans une direction musicale, guitaristique plus poussé peut-être? Oui, et notre collaboration a commencé longtemps avant le studio, parce qu'on s'est rencontrés, et c'est ce que je voulais moi sur cet album, c'était de travailler avec des personnes que j'aurais rencontrées auparavant pour discuter, comprendre nos univers et être sûr qu'on a envie de travailler ensemble. Et ce fut le cas avec John. Un an ou presque un an et demi avant l'album, on s'est rencontrés, on s'est parlé, on s'est d'abord compris sur le type de collaboration, parce que selon les artistes et selon les producteurs artistiques, le travail n'est pas exactement le même. Et c'est très important de se mettre d'accord sans intermédiaire, que ces deux éléments-là, artistes et producteurs artistiques, soient bien d'accord sur le début et la fin du travail de chacun, et donc pour que la collaboration soit claire. Et ensuite, aussi, voir un feeling humain, parce que c'est très important de s'assurer qu'on s'entend et que ce n'est pas qu'une question d'intérêt marketing. Donc, après ce travail fait, le courant est vraiment passé, et moi, je me suis sentie assez en confiance pour demander à John de participer avec moi au choix des musiciens, même plus que ça, de me proposer des musiciens, parce que j'avais envie de sortir des sentiers battus, en tout cas ce que je m'étais fait comme environnement dans lequel je me sentais très bien, mais en même temps, au bout d'un certain temps, ben voilà, pour aller vers de nouvelles choses, il faut rencontrer de nouvelles personnes. Donc John avait proposé des musiciens, et parmi lesquels j'ai choisi en écoutant ce qu'ils faisaient, et il fallait aussi vérifier de leur côté s'ils avaient envie de travailler sur le projet. Et puis, nous sommes ainsi partis avec un guitariste que j'ai choisi pour ça, après avoir écouté son travail, un bassiste que j'ai choisi pour son travail, et un batteur que j'ai aussi choisi pour ça, et que, évidemment, j'ai eu l'immense chance qu'ils acceptent de travailler avec moi et que mon projet leur fasse envie. Est-ce que d'aller dans ces nouvelles directions, avec ces nouvelles rencontres, ces nouvelles textures musicales, ça vous a fait appréhender votre voix différemment? Ça a poussé votre voix dans des territoires nouveaux, autres, ou finalement pas vraiment? Oui, oui et non. Parce que c'est un peu du moment qu'on entend ces musiciens-là dans des projets qui n'ont rien à voir, et que chacun, parce que les musiciens ne se connaissaient pas du tout, chacun connaissait John, surtout le guitariste et le bassiste, d'ailleurs le batteur ne connaissait pas John, même si c'est aussi, il est anglais aussi, ils n'avaient jamais travaillé ensemble. C'est par une autre connaissance que j'ai rencontré le batteur, parce que John, parmi ses connaissances, voilà, ce que j'avais entendu ne correspondait pas vraiment aux attentes. Et puis, de les mettre ensemble, on crée un autre univers, parce qu'aucun d'entre eux n'avait fait de musique africaine avant. Donc, tout le monde... C'était intéressant, oui, justement, ça, pour vous, justement, d'avoir des gens qui soient complètement vierges par rapport à la culture musicale africaine. Qui je suis, et le fait que je compose et arrange déjà, est largement suffisant comme part de musique africaine, en tout cas pour moi, et que je voulais des gens qui arrivent sans a priori, sans avoir l'impression d'être dans un domaine qu'ils connaissent, mais du coup qui font plus attention. Parce que quand je travaille avec la partie malienne de l'équipe, donc les deux choristes, le Ngoni, plus une calebasse qui n'est pas sur l'album ni sur la tournée, mais avec lequel je travaille pour poser la rythmique, il y a déjà des choses de la musique malienne qui sont là assez bâties, et que moi j'oriente selon ma volonté de faire quelque chose d'inspiration de musique de chasseur, de musique mandingue ou bambara, etc. Donc c'est largement suffisant. Après, quelqu'un qui n'a jamais fait de musique africaine, mais qui est un bon musicien, va tendre l'oreille et écouter. Et chacun d'entre eux s'est mis à écouter beaucoup de choses dans la musique africaine pour mieux comprendre cet univers pendant les deux ou trois semaines de répétition. Donc voilà, on a trouvé comme ça un terrain d'entente artistique, plus artistique qu'autre chose, sans a priori. Et évidemment, moi, j'ai, par rapport à la manière dont j'ai tout composé et posé les textes sur les musiques, ça change.
une fois que on joue, je suis dans un autre élément et dans autre chose. Donc oui, ça, ma manière de chanter change selon l'orchestration. Ça c'est clair. Qu'est-ce que vous avez appris, vous pensez, de ces rencontres? Parce qu'il y a un début, comme vous avez dit, vous avez choisi, etc. Puis après, il y a eu le vif du sujet, tout le monde en studio, arrivé avec vos compositions, et ensuite, bah voilà, le disque est sorti, est fini. Il y a, bon, c'est peut-être encore tout frais parce que ça vient juste de sortir, oui. La tournée, etc. Mais qu'est-ce que vous avez appris de cet épisode, de ces nouvelles rencontres et de ce... Ben déjà des réponses aux questions qui m'ont posé, qui m'ont poussé à essayer, parce que finalement chaque projet c'est ça, c'est de la curiosité qui nous pousse à essayer quelque chose qu'on imagine, dont on a une idée au fil du temps avec le professionnalisme du résultat. Mais bon, c'est quand même jamais exactement pareil que ce qu'on a imaginé. Donc, on a déjà réponse à ces questions. Mais par rapport à l'idée que je me faisais de travailler avec des musiciens qui n'avaient pas de contact avec la musique africaine et en me disant qu'ils feraient plus attention et qu'on arrivera à quelque chose de plus intéressant. Ainsi, j'avais la réponse. Et puis, chaque musicien, par sa personnalité, pour moi, l'humain est très important. Et que c'était ce qui était agréable pendant tout ce travail, d'abord les répétitions, ensuite John qui nous avait rejoint pour jouer à Londres avant d'entrer en studio dans sa ville à Bristol, et pendant tout l'enregistrement et le mix, j'ai eu le plaisir de passer du temps avec des personnes curieuses qui ont tous beaucoup de talent, mais pour lesquels l'intérêt d'être là était de découvrir ce projet-là qui finalement était une expérience pour tout le monde. Et chacun faisant très attention et respectant le travail de l'autre, c'était une ambiance très très agréable. Donc ça répond aussi à une autre question, parce qu'à un moment, quand on est dans la musique et qu'on se rend compte que dans beaucoup de situations, on doit faire en sorte d'exister, d'être là, parce que si on ne le fait pas, comme c'est le comportement de tout le monde la plupart du temps, ben on se fait bouffer. Et on se rend compte qu'on n'est pas obligé, justement. Qu'entre gens qui aiment vraiment la musique, on peut juste se respecter, chacun exister et vraiment briller, tout en étant fasciné par ce que l'autre fait. Et puis, il y a aussi mon rapport à la guitare qui a encore évolué, de travailler avec John, de travailler avec Stefano, qui travaille différemment, et John qui me poussait vers des choses que j'aurais pas forcément faites toute seule. La plupart du temps, je compose tous les titres à la guitare, et ensuite je montre au guitariste, et c'est vrai que ça n'est jamais exactement joué comme je le joue moi, et qu'on se débrouille, on se contente, et on trouve des solutions. Et là, John m'a dit, mais pourquoi tu joues pas sur là où je pensais jouer sur la moitié du disque, j'ai finalement joué sur tous les titres, parce que à chaque fois il me poussait à le faire, et c'était magnifique. C'est le genre d'expérience professionnelle dont on sort enrichi sans avoir une idée précise, une chose précise sur laquelle on a l'impression d'avoir appris, mais on a l'impression d'avoir grandi globalement, d'avoir pris beaucoup chez chacun et d'avoir aussi donné beaucoup. Je parlais tout à l'heure du blues. Je disais qu'il y avait un son très blues. Là, c'est une musique qui a toujours été soit au centre de votre musique, de vos albums passés, soit au centre, quel que soit. Après, je ne sais pas la définition que vous en avez. C'est toujours les grands débats, les grandes questions. Oui. Mais quel rapport vous entretenez avec cette musique, et est-ce que vous considérez d'une certaine manière presque comme une blues woman, je ne sais pas comment on doit dire. Alors, mon problème en tant que musicienne professionnelle maintenant, j'ai d'ailleurs du mal à le dire, c'est tellement magnifique. Et que j'ai du mal à me considérer comme quoi que ce soit. Je savais pas que je ferais de la musique, c'était un grand rêve. J'en ai écouté beaucoup pendant longtemps. Je connais quasiment tous les grands, je les ai tous beaucoup écoutés. D'ailleurs, j'écoutais beaucoup plus de musique avant d'en faire. Devenir oui, tout à fait, parce qu'après, on est sur la route, on n'a jamais le temps. Et du coup, j'expérimente des choses. Je me vois comme quelqu'un comme ça. J'ai tellement écouté les autres que j'ai envie d'essayer des choses que j'imagine à partir de ce que j'ai entendu des autres et de ce que je n'ai pas entendu chez les autres, surtout. Parce que je n'aurais pas l'audace de faire un genre de musique
me dire je vais faire comme un tel ou m'inspirer d'un tel, parce que moi, ceux qui me fascinent pour le coup me fascinent tellement que je ne crois pas pouvoir faire comme eux. Mais voilà, j'expérimente des choses. Il est vrai que la musique malienne s'assimile beaucoup au blues, hein. Même pas seulement dans la sonorité, mais dans la philosophie qu'on se fait de la musique. Cette façon de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, et aussi de transmettre des messages de génération en génération. Et ce rapport à la musique, je l'ai dans ma culture, qu'on soit musicien ou pas, on a une sensibilité, on est sensible à la musique pour ça aussi. Parce qu'on entend des messages à travers la musique, à travers une voix, on perçoit des sensations. Et à partir de là, disons que c'est difficile de venir de ces parties-là du monde et de ne pas avoir un rapport blues à la musique. Quel souvenir vous gardez d'Alifar Katouré que vous avez rencontré au début de votre carrière? Il vous a assez soutenu. Mais il a réalisé, il a fait la direction artistique, comme John l'a fait pour cet album, du tout premier album. C'était, oui, assimilable à du babysitting, parce que c'était mon tout premier album et j'étais très heureuse, très naïve, voilà, simplement heureuse d'être là et de pouvoir commencer une carrière. Et puis, tous ceux qui m'avaient soutenu à l'époque étaient très contents qu'il y ait un producteur intéressé par ce que je fais. Mais on a tous oublié un détail, c'est que j'avais jamais fait de studio. Donc, Ali faisait partie des personnes que m'avait présenté Jacques Zallet, qui était le directeur du Centre culturel français à Bamako à l'époque. Pardon. Jacques Zallet, qui était le directeur du Centre culturel français de Bamako à l'époque. Et je souvent vu Ali, on a mangé ensemble. J'avais fait plusieurs de ses premières parties par l'intermédiaire de la même personne qui a soutenu pas mal d'artistes maliens d'ailleurs. Et puis, c'est cette personne qui m'avait aussi trouvé mon premier producteur. Et il a appelé Ali à un moment en disant, mais il y a un problème, voilà. Rocky a une opportunité d'enregistrer son premier album, mais il faut quelqu'un pour faire la production artistique parce qu'elle n'en a pas l'expérience, elle ne pourra pas. Et puis Ali, très aimable comme il était surtout très généreux, a chamboulé toute son organisation, parce que c'était genre 3 semaines avant, pour pouvoir être avec moi pendant 1 semaine en studio pour faire cet album-là, Mouneissa. Donc j'avais eu la grande chance, le privilège de faire la première partie de Alifar Katouré et Salif Keita à Angoulême avant d'entrer en studio. Et puis ça avait été des moments magnifiques. Je me rappelle d'Ali comme quelqu'un de très sage et très... très amoureux de la vie, très généreux, généreux, il aimait beaucoup les autres, il donnait beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Et surtout dans la musique, quand on est leader, qu'on est devant, ça va aussi avec un caractère, oui, un ego énorme, quoi. Et que, voilà, c'était quelqu'un qui était capable de sortir de ça et apporter beaucoup aux autres. Il ne m'a pas enseigné la guitare. Il était autodidacte lui-même, moi aussi. Donc on avait ce terrain d'entente-là, on parlait beaucoup de ça. Il m'a beaucoup conseillé par rapport à l'attitude à adopter, aussi dans le show business, par rapport à la guitare, le fait que je devais être sûre de moi et ne pas me dire que de ne pas avoir appris la guitare de la même manière que les autres faisait que j'étais moins bonne à la guitare ou moins guitariste. C'est un instrument, c'est l'amour que tu lui donnes qu'il te rend, c'est pas la manière dont tout le monde joue qui est important, c'est ta manière à jouer à toi. Donc voilà, on s'était comme beaucoup parlé et on s'appelait beaucoup. Et puis on a découvert par la suite, pendant qu'on était en studio, lorsque ma mère est passée me voir, mes parents étaient à Bruxelles à l'époque et on enregistrait à Amiens. Ils se sont jetés, Ali et ma mère, l'un dans les bras de l'autre. J'étais surprise, mais en fait, ils se connaissaient de longue date. Et Ali ne m'avait pas reconnue pour la simple raison qu'il m'avait vu bébé et ne m'avait plus revue depuis. Et il était tout ému de voir, de travailler, et sans le savoir, avec le bébé qu'il avait tenu dans ses bras, etc. Donc, on était très, très proches, oui.
Vous avez dit au début, finalement, j'écoutais beaucoup plus de musique que j'en faisais même pas moi-même. Je crois que la musique que votre père et votre frère écoutaient, c'était quelque chose qui a pas mal traversé vos oreilles, c'est ça? Oui, c'est par là que j'ai commencé, disons. Ils écoutaient quoi, tous les deux, principalement? Ils vous mettaient quoi dans les oreilles? Bon, mon frère a 10, 11 ans de plus que moi, donc il était plutôt adolescent dans les années fin 70-80. Il écoutait le rock et puis... Oui, le disco, mais beaucoup rock et reggae, Bob Marley, Dire Straits, donc Mark Knopfler, et tout ce qui est Pink Floyd, Scorpions, même si c'était pas anglais, c'est quand même un groupe qui a beaucoup marqué les années 80 en termes de rock. Et oui, tout ce qui va avec, aussi Jimi Hendrix, bien sûr, et comment il s'appelle encore Ah, je fais un blocage là. James Brown. Et votre père, il écoutait quoi, lui? Mais mon père, c'était plus jazz classique, musique classique, occidentale, chansons françaises, donc Gainsbourg, Ferré, Jacques Brel, même si c'est belge, c'est de la chanson française. Donc vous étiez une éponge, finalement, à ce moment-là, vous écoutiez tout? Ben c'est ça, c'est que, enfin, chacun son truc. Il y a des enfants qui sont tout de suite attirés par... je ne sais pas, le football ou la peinture. Moi, c'était la musique. J'étais très sensible à la musique. Et c'est vrai que, du coup, ça amusait beaucoup les membres de ma famille qui aimaient la musique déjà, de s'amuser à calmer un bébé en lui faisant écouter de la musique. Et puis plus tard, de pouvoir répondre à mes questions précises. Et c'était étonnant, paraît-il. Et du coup, on me parlait beaucoup et les adultes passaient beaucoup de temps avec moi à écouter de la musique et à discuter de musique. Ou aller à des concerts, voilà. Qu'est-ce qui vous a donné assez de confiance? Qu'est-ce qui a fait que d'être juste passive et mélomane, vous êtes devenue musicienne et chanteuse vous-même? Parce que vous avez dit au début, moi je voulais pas du tout faire ça. J'ai pas fait exprès. On vous a forcé. Non, j'en rêvais. C'était un rêve tellement élevé que je ne pensais pas pouvoir. C'est le genre de choses où on se dit, ok, ça, voilà, c'est pas parce qu'on rêve d'être Tina Turner en tenue de cuillère dans la cuisine de sa maman qu'on peut faire une carrière. Et puis, bon, j'ai fait de la radio. Et à un moment, il y a eu la possibilité de faire partie d'un groupe de rap qui cherchait une chanteuse qui pouvait aussi rapper. Donc, j'étais au lycée. Je me suis dit, je vais me présenter, voilà, sans trop y croire, en y allant sur les bouts des pieds quand même. Et puis, ils m'ont accepté dans le groupe. On a fait un clip, c'était au Mali, c'était le premier groupe de rap malien d'ailleurs. À l'époque, nous n'étions pas encore... Il s'appelait comment? Il s'appelait Alti Strong. Et Alti, c'était par rapport au nom du leader qui était Alpha Touré. Et puis, on a fait un clip pour la télé nationale malienne. Et puis, on m'a dit que j'avais une jolie voix. Parce que moi, voilà, moi, je chantais, j'aimais ça. Et c'est déjà la mère de Alpha qui m'avait entendu quand j'avais passé l'audition donc dans la chambre de Alpha hein, à l'époque. Sa maman était venue et dit waouh, très jolie voix et tout. Et moi je suis arrivée chez moi sans m'en rendre compte. J'étais tellement heureuse. C'était la première fois qu'on me disait que j'avais une jolie voix. Donc ça plus la radio, l'émission radio que j'avais où on m'appelait souvent. Pour me dire aussi que j'avais une jolie voix, je me suis dit peut-être que je pourrais tenter. Donc après la sortie du clip à la télé, les gens ont commencé à vraiment m'encourager parce que je jouais déjà de la guitare et j'avais des petites chansons à moi. Ma mère m'a dit qu'elle préférait ses chansons au rap en anglais sur des bandes préenregistrées. Et j'ai eu l'opportunité de faire deux chansons pour la télé malienne. Et puis c'est parti comme ça, de fil en aiguille. À chaque opportunité, moi je me disais, waouh, c'est une expérience, je vais m'amuser. Et puis je ne pensais pas du tout que ça allait aboutir sur une proposition de faire un album et puis avoir une carrière, quoi. Et comment est née votre écriture tout au long de ça? Parce qu'il y a quand même, j'imagine, du parcours entre le groupe de rap et Beautiful Africa. Comment on prend confiance en soi? Comment on se trouve? Vous aviez tout de suite quelque chose qui était en vous et qui est une urgence? Comment ça s'est fait? En ce qui concerne les textes, j'ai toujours écrit. C'était un passe-temps de finalement une enfance et une adolescence très solitaire. Donc écrire, lire me faisait plaisir. Et les textes que j'écrivais comme ça, sans savoir que ça serait des chansons, ont été mes premières chansons en fait.
Et la composition, il faut, quand on aime ça, j'arrive, enfin, les mélodies me viennent facilement, je crois. Et puis, au fil du temps, ça se professionnalise, le processus est différent. Il y a un premier album où voilà, je me suis retrouvée à composer, à faire des arrangements, après avoir passé du temps avec un arrangeur qui fut l'arrangeur de Oumou Sangaré, qui était aussi le directeur de l'ensemble instrumental national du Mali, avec lequel j'ai fait un stage. Et c'était lui qui était censé faire ce premier album. Mais lorsque je lui ai appris que j'avais eu un producteur, il ne m'a pas cru. Parce que voilà, j'avais fait le stage, il m'avait aidé pour faire les premières chansons pour la télé, et voilà. Et on travaillait un peu tout doucement pour lui, ça allait prendre des années. Et au bout de même pas un an, quand j'ai décidé d'arrêter mes études et retourner au Mali, j'avais un producteur. Et il ne m'a pas cru et n'avait de toute façon pas le temps. Cette année-là, il était en tournée avec Oumou Sangaré et l'ensemble instrumental national aux États-Unis. Moi, en attendant, je ne pouvais pas dire non, voilà, on ne peut pas plus enregistrer parce que mon arrangeur n'est pas là. Je me suis dit, OK, on va y aller seul. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de tenter les idées que j'ai, qui sont très souvent différentes de ses parties prises à lui, mais je n'osais jamais dire. Donc, je suis partie comme ça avec les musiciens et j'ai tenté. Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et que finalement, j'y arrivais à faire les arrangements toute seule. Et depuis, j'ai dû faire des stages quand même d'écriture, de composition et des stages de chant aussi après le premier album. J'ai beaucoup travaillé avec le studio des variétés pendant longtemps. Ensuite, j'ai fait des stages ailleurs avec aussi Anne Gaëtan qui m'en a pas mal appris par rapport, oui, à la technique de chant, mais aussi à la présence scénique, le rapport au public, l'occupation de l'espace, etc. Ça s'apprend. Au fil du temps, j'ai beaucoup travaillé. Une fois que j'ai compris que c'était là que je pouvais devenir professionnelle, ben, il fallait devenir professionnelle. Et ça s'apprenait. Moi, je savais rien. J'avais une formation ni traditionnelle malienne, ni à l'occidentale. C'est-à-dire que je n'avais pas fait de conservatoire, j'avais pas fait partie de groupe, rien. Donc il fallait tout apprendre très vite et pouvoir faire la tournée du premier album déjà. C'est parti très vite et j'ai continué à apprendre et d'ailleurs je continue à apprendre. Et utiliser les différentes langues, finalement, c'est un peu comme utiliser des différents instruments. Est-ce que vous savez tout de suite, quand vous couchez des mots sur le papier, si ça va passer en français, en anglais, en bambara? Oui, parce que chaque sujet arrive, en fait, il y a des chansons qui arrivent dans la tête en français, d'autres en bambara. Après, ce que je fais très souvent, c'est d'écrire en français et traduire en bambara. C'est pas, pendant longtemps, j'ai écrit les premières chansons, toute première chanson en bambara, c'était des traductions de textes que j'avais en français. Et ensuite, j'ai commencé à écrire des choses moins en alphabet phonétique. Et c'est vrai que le rapport n'est pas le même. Je sais pas, à un moment, surtout depuis Tiamanche, je me suis remise à faire des choses, écrire des textes en français et les traduire en bambara. Et puis c'est ce que j'ai fait sur cet album aussi, à l'exception d'une des chansons. Et ben, par exemple, une chanson comme Mélancolie, elle arrive en français, elle reste en français, parce que ça n'est pas possible de la faire en bambara. Pour moi, hein, parce que la mélancolie n'est pas une chose positive. Et on ne peut pas la présenter positivement dans ma culture d'origine, la culture malienne en général, toute ethnie confondue. Je crois que en général, c'est une mauvaise chose. Et surtout, en Bambara, le mot n'existe même pas. On va traduire ce mot-là par nostalgie, par calme. Mais le mot mélancolie même n'existe pas. Donc, il est arrivé en français et resté en français parce que j'avais envie d'exprimer ce qu'il y a de positif et assumé dans ma mélancolie, dont on me fait souvent la remarque. Mais enfin, je ne me sens même pas triste et j'adore les gens. Il y a juste qu'il y a des moments où même avec les gens, je suis avec moi-même. Je pense que au final, je suis quelqu'un de peut-être assez cérébral, qui est tout le temps en train de cogiter et tout réfléchir à la moindre remarque ou
quand je regarde les infos à la télé, pendant qu'on passe d'autres sujets, moi je reste sur un sujet et je continue à y réfléchir. Donc je suis très facilement dans mon monde et ne suis pas toujours concentrée sur ce qui se passe au moment où ça se passe et avec les autres. Et j'ai aussi grandi dans une forme de solitude entre plusieurs cultures, tout le temps en voyage, qui est que même quand on est avec des gens dans l'une des cultures, on n'a pas forcément l'impression de faire partie de ce qui se passe parce que on a d'autres notions et on a l'autre culture qui fait partie de ses références et qu'on est l'ensemble de choses qui ne tiennent pas dans quelque chose de spécifique, mais on a besoin d'un équilibre entre deux et qu'on s'entend bien, on est avec des gens qui ont ce recul-là et pas forcément avec tout le monde facilement dans la vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on prend les autres de haut ou qu'on n'a pas envie d'être avec eux, mais c'est une forme de solitude qui est toujours là où des choses de l'autre culture manque de toute façon. Un déracinement permanent. Voilà, finalement. Tout à fait, un équilibre à faire. Mmh. Et puis ben, voilà, moi j'ai grandi comme ça et quelque part à un moment, je ne lutte pas contre. Je pense que ça peut créer des problèmes chez beaucoup d'enfants de nomades, de quel que soit le genre, et que ça peut dégénérer. Et moi à un moment, dans l'adolescence, c'était dur. Et puis à un moment, je me suis rendu compte de ma chance d'être entre deux, d'être au courant de la diversité du monde, de ne pas voir ça qu'à la télé, mais de l'avoir vécu dès l'âge de 3 ans. Et puis finalement, je me plais bien comme ça, mais c'est aussi ma sécurité à moi, de garder cet équilibre-là dans mon monde. Et que j'avais envie de le chanter en disant que cette mélancolie, j'en ai besoin. Ça n'est pas négatif. Et en même temps, je fais aussi attention à ne pas m'y perdre, à ne pas me perdre dedans, que ce soit juste un compagnon, mais que ça ne m'engloutisse pas. Voilà. Quand on est artiste et que son pays d'origine se retrouve à la une des magazines ou à la télé, et qu'en général on demande à la personne, à l'artiste en question de s'exprimer, c'est quelque chose qui est lourd à porter. Ça fait partie de, ça permet de redéfinir un peu qu'est-ce que se représente un artiste dans la société. C'est lourd et puis c'est un des côtés de mon métier que je viens de découvrir avec le conflit au Mali. Parce que bon, je pense que tous les artistes sont engagés quand on met des mots sur de la musique et qu'on a besoin de ça, c'est qu'on a des choses à dire. Donc voilà, pour moi, je n'en faisais pas un métier particulier d'avoir un message à porter. C'était comme ça, ça fait partie de mon métier. Mais j'aurais jamais appelé un album Beautiful Africa si ce qui s'est passé au Mali ne s'était pas passé. C'est sincère, c'est vraiment ce que j'avais envie de dire dans ces moments-là, parce que la raison de ma tristesse et de ma sensation d'impuissance lorsque le coup d'État est tombé et que j'ai vu cette immense perturbation autour de moi contre laquelle je ne pouvais rien, mais j'étais tellement sûre de savoir que c'était pas la solution et on a envie de le crier. Et c'est vrai que j'en ai discuté les fois où j'étais au Mali, j'avais besoin d'en parler à tout le monde. Je fatiguais tout le monde avec ça, beaucoup. Et surtout tous ceux qui disaient, oui, on n'est pas prêt pour la démocratie, et ça, il fallait que ça finisse comme ça. Et voilà, moi, j'étais scandalisée. Je dis, donc, on fait un coup d'État, on revient à un régime militaire, etc. Et donc, je parlais. Et puis, oui, j'y peux pas grand-chose. Et très sincèrement, au bout de 2 semaines où on s'est retrouvés là avec l'aéroport fermé, et puis parce que moi je partais en tournée le jour même du coup d'État et que le vol a été annulé parce que tout s'est arrêté, ben le temps qu'on est resté, le temps en attendant que ça se règle et qu'on puisse partir travailler,
J'étais là, en entendant pendant la première semaine hein, des coups de feu, pendant que se passaient des pillages et que les politiques et les ministres, des fois, certains des ministres n'étaient même plus dans le gouvernement au moment du coup d'État, mais on les a quand même attaqués, on a attaqué leur maison. Il y avait une agressivité liée au fait que la pauvreté n'avait pas arrêté de croître pendant ces dernières années et en même temps, des politiques s'enrichissaient d'une manière souvent très voilà, flagrante, quoi. On parlait beaucoup de corruption, de détournement de fonds. En même temps, la population qui subit cette corruption l'entretient aussi et est responsable. Parce que le Mali est un pays où tout le monde est parent, tout le monde se connaît. Et les gens sont choqués quand un parent de ministre refuse de rendre un service à son frère ou à son cousin. Et ce sont ces mêmes gens qui sont choqués parce qu'il y a la corruption. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. C'est pas si évident que ça. C'est que la corruption est devenue une culture. Et même quand on lutte, on en souffre et qu'on l'exprime, ça ne veut pas dire qu'on a compris qu'on fait partie du mécanisme et qu'on entretient ce système et qu'on est juste en train de se plaindre parce qu'on n'est pas content de sa part. Donc en étant là, en voyant tout ça, et pourtant le chaos en même temps, ça fait mal et ça fait encore plus mal en tant qu'Africain derrière les problèmes en Guinée, en Côte d'Ivoire, le Mali. Et puis d'autres foyers éclatent ailleurs. Et on se dit, mais pourquoi j'y crois quand même encore? Pourquoi est-ce que malgré tout, je continue à m'investir en termes d'énergie et économiquement dans ce pays? Et puis, c'est surtout que ce qui est incompréhensible, c'est qu'on a toujours envie d'investir là, parce qu'on sait qu'il y a des choses à faire, et on sait qu'on est la petite goutte d'eau dont l'océan de l'Afrique a besoin, comme chaque Africain est cette petite goutte d'eau-là. Et puis, ben, à un moment, on ne sait plus quoi penser. Au bout de quelques mois, il faut aussi continuer à bosser, faire tourner la machine, pendant qu'on ne sait pas ce que deviendra le Mali, ce que deviendra sa maison, sa famille, ses parents. À un moment, on a envie d'écrire. Malgré tout, j'aime l'Afrique, je suis africaine, et je suis là et je serai là. En petite goutte d'eau, vous avez créé la Passerelle. Passerelle, c'est une fondation, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour aider l'industrie musicale un peu à se développer. Oui, une contribution parmi d'autres, venant d'autres artistes, d'autres Maliens et d'autres Africains. Mais voilà, c'est ce que moi je pouvais apporter. À travers cette fondation, je peux donner des cours de chant. Et je peux aussi travailler d'une autre façon avec l'Institut National des Arts qui m'a beaucoup apporté, l'Institut National des Arts de Bamako, où j'ai pas été à l'école, mais dans ces locaux-là, j'ai répété et j'ai vu que ça servait à beaucoup de jeunes. En même temps, il y a ce que l'Institut français, qui s'appelait à l'époque le Centre culturel français de Bamako, m'a apporté aussi, qui est différent de ce qui existe dans les institutions gouvernementales maliennes, comme l'Institut national des arts ou le conservatoire. Et puis, il y a tous les voyages que j'ai faits, que n'ont pas fait les fonctionnaires qui travaillent là. Donc, c'est vraiment, le but est de mettre ma relative notoriété, ma relative expérience et mes économies sur 15 ans de carrière au service de ce que j'aime le plus aussi. Chez moi, on a aussi les bureaux, les lieux de répétition. On est en train de construire la scène, donc je suis entourée de musique. Et c'est un plaisir d'avoir tous ces jeunes quand on a les formations, les concrets, des projets, de les avoir là. On commence très tôt le matin parce qu'il fait très chaud. Et ils arrivent tous à 8h30, on petit déjeune ensemble. Et ensuite, on travaille jusqu'à 16h après un break déjeuner. Donc c'est au-delà, il y a un travail qui est là, une énergie. Et ils ont tous envie d'avancer. Et moi, je peux apporter un peu de moyens. Et pendant ce temps, avec tous ces projets, on contribue à la professionnalisation du milieu de la culture au Mali en faisant travailler et tourner des jeunes musiciens. Et j'espère bientôt en faisant travailler aussi des techniciens et en leur faisant bénéficier de stages et de formations. Voilà ce qu'on essaie de faire. En parlant de rencontres, vous avez aussi croisé la route de personnalités extra-musical, on pourrait dire. Il y a eu ce Desdemonia avec Toni Morrison et Peter Sellars. Quand on sort de ce type d'expérience, ça devait être assez étonnant, j'imagine.
Oui, j'apprends beaucoup. C'est le genre d'expérience qui m'ont beaucoup appris tout le long de ma carrière et j'espère que j'en aurai encore. C'est-à-dire que ça n'a pas un lien direct avec la musique et pourtant il y a un point commun. Ça reste de l'art, de la culture et surtout qu'on me demande d'apporter quelque chose, mais on m'apporte aussi quelque chose dans quoi il faut que je m'intègre. Donc ça demande un effort, un travail, un apprentissage et d'avoir Toni Morrison et Peter Sellers comme guide, comme professeur, je le dis souvent, c'est magnifique, c'est vraiment une grande chance. Et le projet Desdemona pour moi est magnifique pour ça. Et il m'a aussi permis, avec l'accord et la coopération de Peter et Tony, qui nous soutiennent beaucoup pour la Fondation Passerelle, d'intégrer des jeunes avec lesquels je travaille, des musiciens avec lesquels je travaille au Mali par rapport à la Fondation. Donc ça me permet de continuer à travailler avec les meilleurs des élèves que j'ai et leur faire vivre des expériences qui vont contribuer à construire leur carrière professionnelle comme ça contribue à construire la mienne. Alors même si Beautiful Africa est juste encore tout frais, vous avez déjà plein d'idées dans la tête pour le sixième album ou des envies particulières ou vous voulez déjà promener sur scène Non, cette Beautiful Africa? non, ça commence, hein, ça commence déjà. J'ai déjà, on n'arrête jamais d'écrire vraiment. Et donc j'ai repris l'écriture déjà. Et oui, j'ai des idées pour le prochain album. Mais il est vrai que je suis très concentrée sur le spectacle parce que les musiciens qui ont fait le disque ne sont pas tous sur le spectacle. Il faut encore travailler. Et le travail entre un disque et un spectacle est différent. Même s'il s'agit de jouer les mêmes titres, ça n'est pas pareil. Et voilà. Donc il y a beaucoup à faire pour le spectacle encore. Je pense que d'ici 3-4 mois, je commencerai à sérieusement travailler sur le prochain album. Bien, donc je rappelle que Beautiful Africa, votre cinquième album, vient de sortir sur le label Nonesuch. Merci, Roquette Rorée. Merci à vous.